je dis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour eh bien, la suite de nos aventures d'Olienne, si je puis dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode précédent? On essaye de faire un petit peu avancer nos Sims dans leur carrière. Il y a deux Sims, on avait acheté un nouveau terrain sur lequel on a commencé à construire une maison qui n'est pas tip-top. Donc, nos Sims vivent ici, pour rappel, et on va séparer, enfin, on va pas séparer, mais chaque aile du bâtiment va appartenir à des... à chaque couple, à des couples différents. Donc, on a récupéré des plantes champignons, ainsi qu'une fleur de lys qu'on a plantée, qu'on a ajoutée à notre jardin. On va essayer d'avoir plein de fleurs, ça peut être, plein de végétation, ça peut vraiment être très cool. J'avais envie de mettre des fleurs et tout pour décorer le devant, mais je me dis que non. Je crois que je vais prendre les fleurs de base du jeu, ça pourrait être très bien comme ça. Donc ici j'ai déjà 1300 simflouz, dès que j'aurai un peu plus à mon avis je vais regarder peut-être pour faire un truc bien. Voilà lui, comment tu te sens? Bah, toi il faut que tu ailles dormir hein. Ça va pas. Voilà notre petit gars ici. Il est très tendu. Hein. Il est très tendu. On espère que ça va aller mieux. Voilà, il vient de rentrer. C'est super. Voilà, il est vraiment très nerveux. On va le faire dormir direct. On lui fera jouer à des jeux vidéo le lendemain matin ou quoi. Voilà, on va voir. On va pas lui prendre la tête avec ça maintenant. Donc, je vais déjà essayer de réfléchir pour construire une pièce ici, pour mettre... déjà essayer de savoir où je pourrais mettre la chambre, la future chambre de nos Sims. Donc, je vais juste construire le squelette déjà. Donc, de mettre les quelques petits... voilà. Donc, hop. Comment est-ce que je vais aménager la chambre? J'ai envie qu'il y ait une vue sur le truc. J'ai envie que la chambre soit assez grande. On va essayer de faire un truc assez uniforme au niveau des fenêtres et de faire quelque chose d'assez moderne. Ouais. Ça, j'aime bien. Ouais, voilà. Et je pense qu'on va faire un truc dans ce style-là. Non. Attendez, on va faire plutôt comme ça. Voilà. Et ici, on va installer une belle porte. J'ai envie d'une porte bien moderne. Je vais mettre celle-là. Oh, ça sera chez Queen et... truc, hein. Donc non, on va pas mettre celle-là. J'ai envie de mettre... Elle est en... Ah ouais, non, elle est en verre. Faut pas une porte en verre, c'est nul. J'ai envie d'une porte moderne. On va attendre d'avoir assez de fric pour acheter cette porte, parce que je me dis que ça pourrait être chouette de l'avoir. Ah, c'est des portes... Ouais. Bah, ouais, non, ça, on va la prendre en gris. Voilà, celle-ci. Ça sera très bien. Donc là, je pense qu'on va faire la chambre. Ouais, on va faire la chambre. L'agrandir un tout petit peu. Voilà. Et. Décaler la porte comme ça. Comme ça. Ça c'est bien. Voilà. Donc là, ça sera la future chambre. Voilà. Bon. On a déjà construit une pièce. On essaiera de mettre des papiers peints ici. Je pense qu'on va faire un genre de petit bureau. Je réfléchis comment est-ce qu'on pourra s'organiser. Un genre de petit bureau, ouais. Oh, non, je sais. Je sais, les gars, je sais. Ça sera ici. On va mettre une peut-être un genre de salle de musique ou quoi. On va peut-être rajouter carrément une pièce qu'on va accoler à celle-ci. En fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre toutes des fenêtres ici et mettre le piano de Queen ici. Mais là, c'est pas assez large, donc il faudra que j'élargisse encore le truc.
Bon, c'est déjà ça. Hein. Quoi, Queen est déjà réveillée? Il est 4h du matin, elle est déjà réveillée, elle. T'as entendu qu'on parlait de toi, hein, Miss, hein? À vous. Ouvrir. Hop. Une portion. Et voilà. Bon, c'est moche, hein, je suis d'accord avec vous. Heureusement qu'on a tous les objets qui sont rassemblés à proximité pour rendre ça un peu plus sympa. Parce que franchement... Ah, tiens, ça, on peut le vendre. Ça, on peut le vendre. Ça, on va le mettre là. Et ceci, on va le mettre ici. Voilà. Pff, bah, c'est bon qu'il pas comme ça, détends-toi. Hein. Comment elle s'énerve, la meuf. Ok. Je pense que je vais la faire à l'artistique. Ouais, là j'ai envie de faire un piano là. Je le ferai là. Enfin, je mettrai ma salle avec mon piano ici. Sans prise de tête, ça sera nickel. Ouais, elle bosse aujourd'hui, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Ouais, prendre une douche et tout, ça va être bien ça. Toi, t'as envie de faire quoi? Oula, toi t'as envie de faire... T'as envie de discuter. T'as envie de discuter, on va... Bah on va discuter, hein. Discuter. Tu vas t'asseoir là. Puis dès que ta pote a fini, bah elle va venir et vous allez un peu papoter. Ah ouais non, peut-être qu'elle travaille et tout aujourd'hui. Ouais, elle travaille. Oh, ça craint. Tu sais qu'elle peut aller sans problème. Ah merde. Ah ça c'est trop cool. Oh purée. Je pensais que ça allait aller, mais elles sont embarrassées. C'est vraiment nul. C'est pas grave. C'est pas, y a pas de souci, on va les faire discuter ensemble. Bon, hop. Chercher des pièces. Jeter, hop, essuyer. Toi, comment tu te sens? Wow, toi, il faut que t'attendes la compétence 3 en programmation, c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que mon frigo est dégueulasse? Je ne sais pas. Ouais, elle est gênée, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, bon. On va tout récolter, hein. Ouh là là, lui, il est tellement mal. Il aimait tellement mal. Oh là là, ça me fait limite de la peine pour lui. Oula. Hors contexte. En prenant des déclarations de personnalité publique, hors de contexte, Kazé pourrait faire un drastique article à son sujet. Même si elle sait que ça peut tirer par les cheveux, elle peut contenter. Attendre et croiser les doigts. Ok, super. C'est trop cool. Ça, c'est chouette, ça. Voilà, on a réussi à faire un truc bien. Il bosse à quelle heure, lui? Ah bah, il va bosser, il doit partir bosser, en fait. Oh, super, on se fait plein de fric. Oh, c'est trop bon, ça. Par contre, lui, il faut absolument qu'il se détende. Ok, c'est nickel.
Elle désherbe tout bien, bien peinard. Regardez, des petits oignons qui ont poussé! C'est trop cool! Faudra qu'on fasse une fête de pendaison de crémaillère pour quand la maison sera finie. Oh, regardez, la fleur de lys qui pousse! Oh, c'est trop bien! Faudra penser d'aller trouver les autres trucs. Ouvrir, qu'est-ce qu'on a? Je peux mettre mes trucs dedans? J'ai quoi que je peux... Ah ouais, j'ai mes sauges. Mes petits oignons. Voilà. Ça c'est nickel. Ben voilà, regardez-moi ça. C'est tip top super ça. Tip top sur méga cool. Je vais voir si je peux peut-être pas mettre déjà le papier peint aussi. J'ai vu que j'avais un petit peu des... Non, je vais juste reculer le truc. Je vais juste reculer le mur et je vais déplacer mon piano déjà dedans. Et je vais mettre un pan de mur aussi. Attendez, on va faire ça. Voilà, comme ça. On va faire ça. Comme ça. Oh, c'est pas beau. C'est pas très beau. Voilà, comme ça. Et on va juste faire... On va vraiment faire une toute petite pièce. Ça sert vraiment pour l'âge du piano. Et mettre une porte... Non. J'ai envie d'une porte où elle se sente bien. Enfin, une porte vraiment où elle est tranquille, quoi. On peut lui foutre la paix vraiment. Et au niveau du papier peint, j'ai un super beau papier peint qui pourrait trop bien rendre. Que j'ai déjà utilisé dans une autre série et que je me dis, mais ça va rendre mais tellement bien. Où est-ce qu'il est? C'est pas du carrelage. Où est-ce qu'il est? Oh purée! C'est un trop beau papier peint! Ah voilà. C'est celui-là. Mettre en gris. Ou en blanc? Oh oui, en blanc. Regardez-moi comme c'est super beau. Donc on a déjà fait la salle de musique déjà de notre petite miss. C'est nickel. Moi je suis super contente. Regardez, ça rend trop bien. Ça rend, c'est super joli avec les petits trucs comme ça, c'est trop trop beau. Je mettrai une petite plante dans un coin. Ça sera nickel. Ça sera parfait. Il faudra aussi qu'on mette de la moquette, à mon avis, la moquette blanche ou noire, pour bien faire contraste. Des petites lampes un peu... Waouh, oui, non, ça sera super beau. Des petits rideaux. Oh là là, ça sera super beau. Une vraie maison de poupée. La miss, faut que tu joues l'instrument. Ouais, non, t'as terminé, c'est bien. Est-ce que lui se détend? Il se détend, c'est super. Mais il bosse aujourd'hui, donc faut pas trop exagérer, parce qu'il n'a pas encore fait ses tâches. Donc il va cuisiner, qu'est-ce qu'on peut lui faire cuisiner? Du tilapia fruits, frit, du tilapia fruits, bien sûr. Merde. Bon. J'espère que ça va aller. Nickel. Ranger, lui c'est bon, il a fait son truc. Seulement. Purée, moi qui pensais que... Oh, moi qui pensais que ça allait aller. Oh, c'est nul. Ça craint. Ça craint grave.
Ok. On n'a pas le temps de lui faire faire un autre plat, si. Allez, on va faire vite des sandwichs. Allez, des sandwichs. Eh, vas-y, dépêche-toi. Tu dois commencer le boulot, dépêche-toi, purée, t'as la bourre, dépêche-toi, cours! Ranger. Ah merde, non, elle doit aller bosser aussi, elle. Oh, je m'en étais pas rendu Ben voilà, ils bossent tous, hein. Ah bah ben voilà, la première qui revient. C'est notre petite Kazé. Kazé, Kazé, qu'est-ce que tu dois faire? Donc elle doit écrire des livres, elle a mangé un petit bout. Ben, tu vas vite manger, range ça, avant que ça te périme. Je sais pas pourquoi est-ce que ça s'essaye pour... Ouh là là! Ouh là, elle est nerveuse! Oh là là, elle est nerveuse! Détends-toi, ma belle! Détends-toi! What? Elle est méga nerveuse. Bon, c'est pas grave. Ouais, elle va se mettre en regardant la télé, parce que là, franchement... Ah, ça va, c'est bien. Elle se détend. Encore 2 heures. Oui, quand elle sera un petit peu plus haut. On va lui faire faire travailler sur ses romans. Et Gabriel qui rentre aussi. Gabriel qui est méga stressé aussi. C'est super, mais ces Sims sont en super forme, dites-moi. Bon. Écrire. Écrire, s'entraîner, écrire un livre de genre, scénario, carrément. Wow. Carrément. Boulevard du Crépuscule. Voilà. Hop. Et lui, il sent mieux. Ah bah, il sent déjà mieux, hein. Travaille demain, lui. Il ne travaille pas demain, donc on va vraiment profiter pour lui faire bien grimper sa compétence de programmation. Ah, super! Elle a une très bonne performance au travail. Waouh, c'est trop cool! C'est trop trop cool. Bon, on a un petit peu des sous, les gars. On va se terminer sur la suite de l'aménagement, je pense, de notre petite salle de musique. Je pense même que je vais l'allonger encore un petit coup. Pour qu'elle soit au même niveau que le truc ici. Hop, voilà. Je vais même déplacer la guitare et la mettre là, comme ça. Ouais, non, hein, si, ça rend bien, hein, comme ça. On va mettre le jour parce que là, voilà. Après-midi même. Et je vais regarder pour mettre un petit tapis. Un petit tapis qui rend bien. Comme ça. Ouais. Et un petit canapé. J'ai envie d'un... En fait, j'ai envie de faire la maison de Queen tout en noir et blanc. On me dit que ça pourrait être super joli là de faire la maison de Kazé ultra colorée, ultra pop. Ça pourrait être super joli. Vraiment faire le contraste entre les deux maisons, la maison, mais d'un côté super, pas dire classique, mais... Oh, c'est joli ça. Je vais pas dire super classique, mais... ça c'est beau. Oh, ça c'est... Oh, regardez-moi ça, c'est super joli! Nope. J'ai envie d'un canapé qui inspire le fait d'avoir envie de se coller, de se lever dedans. Celui-là, attendez, celui-là est pas mal. Oh, ouais, oh il est beau celui-là. Est-ce qu'il y a pas même en blanc? C'est vrai, quelle couleur. Oh, ça, on va utiliser ces canapés-là pour la maison de notre petite, là. On va utiliser, je crois, que le simple en noir, à mon avis, ça fera... Ouais, c'est nickel. C'est
C'est nickel, avec une petite lampe, avec une petite lampe sur pied. Non, c'est pas ça que je veux. Oh, ça, c'est super joli, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup ce truc. Et je vais regarder. Je vais vraiment faire pièce par pièce, hein, les gars. Ça, je vous le dis déjà. On va vraiment travailler pièce par pièce. Et hop, mettre un petit peu. Attendez, je vais juste retirer la grille à terre parce que j'aime pas. Mettre un petit peu des, je sais pas moi, des posters ou quoi. Est-ce qu'on n'a pas un truc de musique? Je sais ce qu'on va faire. Petite table. Surface. Normalement, j'ai peut-être une petite table qui pourra parfaitement aller ici. Parce que regardez ce qu'on a là. On a un prix. On a un prix. Et je crois que je vais même faire ça autrement. Peut-être mettre même ça. Ah non, c'est des mains de squelette. Lol. Non, peut-être pas. On va mettre ça autrement. On va gérer ça comme ça. C'est des petites. Ouais, c'est pas mal ça. Oh ouais, j'aime bien. Voilà. Il donne quoi si je donne, si je prends ça et que je le mets là? Ça donne bien. Ça donne bien. Voilà, ça c'est nickel. On va peut-être pas toujours le mettre maintenant. On va mettre ça ici. Non? Je sais pas. Mettre ça là. Est-ce qu'il y a une décoration, un tableau qu'on pourrait mettre ici? Je crois qu'il y avait des disques qu'on pouvait mettre. Je vais regarder plus loin, plus bas. Ah oui, il y a ceux-là. Il y a ceux-là qu'on pourrait mettre là. Mais ils sont à 1700 aidés. Enfin, 1900 aidés, c'est trop cher. Ah, record around the Sims. Oh oui. Oh, moi j'aime bien. Ça orange. Ça je vends. Et on va mettre une petite plante ici. Et une petite plante là. Je propose, hein, les gars. Vous me dites dans les commentaires si vous aimez bien ma déco. Hein. Je compte sur vous. Non, ça j'aime pas. Moi j'aime bien. Bon, on va la mettre là dans le coin. Et voilà les amis. Voilà, j'aime franchement bien ce que je viens de faire là. C'est super joli. Ma Sim 7, elle aura vraiment un petit coin elle pour faire de la musique, sa petite salle de musique. Ça donne trop trop bien. Elle bosse demain. Elle bosse demain. Alors on va lui faire jouer un petit peu de la musique, son concerto. Est-ce que je dois avoir de la musique? J'ai la musique dans ses traits, non? Ouais, j'aime la musique donc. Ah ouais. Oh, ça rentre tellement bien. Attendez, je vais juste mettre le plumbob autre part. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Eh ben, les amis, je crois que c'est sur ce petit air de musique que notre amie Queen nous offre que je vais vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié ce let's play. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de... d'évoluer, de jouer à votre compagnie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié, me dire vos commentaires concernant la pièce de la musique, enfin la salle de musique de Queen, si cette salle vous plaît, si la déco vous plaît. Est-ce que vous aurez peut-être d'autres idées que je n'ai pas? Enfin voilà, maintenant il faut que vous sachiez que ces pièces sont tous tournées à l'avance, donc voilà. Je vais essayer de mettre tout doucement des lieux publics parce que c'est vrai que je me rends compte que j'ai les lieux de base ou parfois certains modifiés, mais pas plus que ça. Donc histoire d'un peu les faire sortir de chez elles, ça pourrait être bien que toujours que vous les voyez bah, chez elles à faire la même chose. Et je pense aussi que je vais essayer de les faire, d'un peu décorer, enfin pas décorer mais d'un peu changer les Sims des alentours pour donner un aspect un peu plus doll. Donc voilà, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao ciao. We'll be right back.